L'enregistrement qui va suivre est tiré d'une bande magnétique retrouvée dans les soubassements de l'hôtel l'Allemand de Bourges, lors de travaux effectués en 2014. Fortement endommagée, une partie a cependant été restituée au maximum de ce qui suppose être l'original. Cela dit, certains mots ou passages demeurent manquants. Détective Philippe Borgnogard, Paris, Austerlitz. Mardi 21 octobre 1992. Début de l'enquête sur le professeur F***, confié par mon collègue et ami d'université, le docteur Frédéric Vermont. Ce qui attisa ma curiosité et me fit accepter l'enquête, c'est le manque de discernement que présenta mon ami à propos du cas de son patient, le professeur F***. Je prends mon train pour la ville de Bourges, où réside et exerce Frédéric Vermont. Détective Philippe Borgnogard. Mardi 21 octobre, 11h15. Il pleut. J'ai pris une chambre à la maison d'hôte du Bonnet Rouge, près de l'hôtel L'Allemand, où le professeur aurait après les tirs du docteur Vermont disparu. Je fume actuellement une cigarette, contemplant la façade, les vraies lugubres, de l'hôtel particulier. Les recherches du professeur portaient sur les bas-reliefs et les questions du plafond de l'oratoire. Mystique, bizarre, les repères de l'innommable, ce sont les mots de Frédéric Vermont. Excessif à mon sens. Détective Philippe Borgnogard. Mercredi 22 octobre, 6h12 du matin. J'ai découvert un soupirail semblant descendre dans les soubassements. Possédé double des clés, disparu avec l'homme. Docteur Vermont refuse d'obtenir les originales. M'a interdit de chercher à le faire. Ah. 7h25. Une échelle mène à l'escalier principal. Je recherche l'oratoire. Détective Philippe Borgnogard, 8h15. Après un temps d'observation peu concluant, je pense m'attacher à une sorte de description propre des caissons. Caisson 28, ange assis lisant le livre. Caisson 14. Serpent mort au pied de lingot. Caisson 11. Poule et cornes d'abondance. Caisson 3. Arc brisé. Détective Philippe Borgnogard, 22 octobre, midi. Prends mon déjeuner au restaurant. Lecture des notes du docteur Vermont. À propos de son patient, le professeur. Fascination excessive pour ses recherches, fièvre, absence momentanée, nausée. Agressivité grandissante de jour en jour. Début d'hémorragie. Conclusion, empoisonnement psychologique. Peu de choses à tirer des notes. Détective Philippe Borgnogard. Vendredi 24 octobre. Chambre d'hôte au Bonnet Rouge. 23h04. Je piétine. Aucun signe toujours n'indique ni dans l'hôtel particulier ni auprès des commerçants de la ville l'existence même du professeur. Simplement rencontré sorte de mystique, nommé Gardombe, dans l'ancienne librairie. Propos incohérents, parle simplement de l'hôtel est un livre. Terminé. Borgnogard, vendredi 25 octobre, 4h02. J'ai vu quelque chose dans les tunnels adjacents, couloirs souterrains découverts au premier jour d'investigation.
Ce n'était pas le professeur. Symbole de question sur stèle bizarre. Jamais vu. Dois appeler docteur Vermont. 6h04. Hôtelier agaçant. Refuse d'appeler avant 7h. Crétin. 7h. Vermont ne répond pas. Barnegard, 8h. Secrétaire de Vermont informe congé maladie. Mal de tête. Détective Philippe Barnegard. Hôtel l'Allemand. Question 19. Les cendres apparaissent. Question 25. Le livre ouvert. Odeur tunnel comme soufre. Barnegard, 10h. Je... 10h du soir. Rien trouvé chez Vermont. Nausée. Inquiétude, car cas similaire au cas du professeur. Nausée. Bruit de craquement. Probablement maux de tête. Barnegard, 27, 20h. Hôtel allemand. Tunnel vide, pas de sortie. Comme crypte, sans issue. 16h. Lumière aveuglante, je reste dans sous-bassement. Cependant, remarque, enregistrement passé du mystique au 24 octobre, nommé Gardombe, semble hanter une partie de la bande. Le professeur ne prenait ce que Vermont, pragmatique. Monsieur Bonnegard. 29. Vous voulez peut-être perdu le décortiquer, voir l'analyser ou même dévorer son secret et le percer, c'est ça? Un jour sur de fièvre, un jour sur de parler sérieusement. Douleur mâchoire. Votre raison et votre science ne viennent pas de ce lieu. 28. Vous pensez entrer en armure face à un édifice de chaume, mais vous vous trouvez nu devant une forteresse de masques. Vous devriez faire demi-tour immédiatement, demeurer dans votre vie ordinaire, cette vie que vous chérissez tant, car ce lieu transcende tout ce que vous pouvez connaître ou imaginer. Lorsque le voile tombe, vous vous rendrez compte que baser vos croyances sur ce que vous pouvez voir ou toucher ne... 30. Soupirail remplacé. Bloc pierre, symbole. En haut ou en bas, ou partout ailleurs. Vous ne voyez rien en plongeant votre regard incrédule dans l'abîme, mais ceux qui se trouvent dans l'abîme nous observent et nous voient distinctement. Ce que je veux dire, imaginez simplement que vous nagez dans un océan de noir surinfini. Vous ne savez pas y échapper, car il est trop tard pour ça. Les anciens le pouvaient, mais nous sommes dans un état d'aveuglement trop avancé à présent. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas d'issue, pas dans cette vie, pas dans la suivante. Nulle part, vous êtes simplement le jouet de forces invisibles que votre regard logique ne peut même pas supposer. Vous ne trouvez rien ici. La grenade ignée. Inutile de chercher des livres sur ce lieu, car ce lieu en lui-même est un livre. Le symbolisme fait apparaître la vérité aux initiés, là où le profane ne voit que du décor. Le secret de ce lieu est immuable. En les découvrant, vous le faites disparaître, car vous le videz de son essence. Lui, et par la même occasion... Vous disparaissez. Barnegard. 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 Barne. 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 Malgré les recherches poussées effectuées pendant les nettoyages et l'analyse de la bande, aucun document ou archive en dehors du support ne mentionne la personne répondant au nom de Philippe Barnegard. Les conclusions sont qu'il n'a jamais existé, ou qu'il a tout bonnement disparu de la réalité, selon sa volonté ou non. Les repères de l'innommable, une pièce sonore de Driss Godbany et Arthur Barbe, réalisée à l'Hôtel l'Allemand de Bourges, dans le cadre du workshop du théâtre de l'autodévoration avec Pacôme Thielmin, Hermine Carragueuse et Jean-Michel Ponty, à l'École nationale supérieure d'art. Musique réalisée par Mathias Masson et Benjamin Calvo-Fernandez.